Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une preview et je dois vous avouer que j'étais super content qu'on me propose de tester en avant-première Road 96 Miles Zero. Alors vous avez peut-être vu sur la chaîne le test de Road 96 et si c'est pas le cas, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît. En préambule, un point important, il s'agit de mes propres captures mais là on est sur PC, l'accès à la preview ne se faisant que sur Steam. Bon, maintenant que tout ça est clair, passons à la preview. Pour commencer, il est bon de remettre ce jeu dans son contexte. Oui, il s'appelle Road 96 Miles Zero, et pourtant Road 96 n'est pas sa seule source d'inspiration. En réalité, ce jeu c'est la fusion entre les deux précédentes productions de Digix Arts, Road 96 d'un côté, mais aussi Lost in Harmony de l'autre. Et Lost in Harmony, je pense que pas mal de monde ne le connaît pas, et c'est bien dommage car c'est un excellent jeu de rythme associé à un runner, avec une histoire très touchante mettant en scène deux personnages, Kaito et Aya. Et Kaito justement, on le retrouve dans ce Road 96 Miles Zero, aux côtés de Zoé, l'une des protagonistes de Road 96. Digix Arts nous explique donc que leurs deux précédents jeux se plaçaient dans le même univers, et même plus dans le même pays. Alors ça a peut-être déjà été dit, mais moi personnellement j'étais totalement passé à côté. Ainsi, l'histoire se déroule 2 ans après les événements de Lost in Harmony et quelques semaines avant les événements de Road 96. Les deux adolescents sont donc les meilleurs amis du monde et pourtant pas mal de choses les opposent. Kaito, issu des quartiers pauvres, déteste ce pays et déteste encore plus Tairak, le dictateur qui dirige Patria. Tandis que Zoé, pour elle, c'est plus compliqué. Elle est issue des quartiers riches et son père est le ministre du pétrole. On l'a connu dans Road 96 avec la farouche volonté de fuir le pays et de nuire à Tairak, mais ici, elle est beaucoup plus nuancée. Elle voit bien qu'un paquet de choses sont anormales et qu'une partie du peuple souffre de la dictature mise en place par Tairak. Mais de l'autre côté, avec l'endoctrinement qu'elle a connu depuis toute petite, elle refuse de croire certaines vérités et place encore une certaine confiance dans la politique actuelle. Zoé commence l'aventure en plein doute, se posant 1000 questions, et cette incertitude sera l'une des bases du gameplay, car oui, il faudra aussi faire des choix. À la manière de Road 96, cette préquelle vous poussera à faire des choix qui vont influencer une jauge qu'on verra quasiment en permanence. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute la partie narrative de cette démo, on ne dirige que Zoé, et donc les choix que fera le joueur la concernent directement. Je sais pas si à un moment on sera appelé à diriger Kaito, mais ça n'aurait pas vraiment de sens de parler de choix amoureux avec lui, étant donné qu'il a déjà une opinion bien tranchée du monde dans lequel il évolue. Si Road 96 proposait généralement 3 types de choix différents, ici il n'y en a que 2, toujours les mêmes. Soit on va choisir d'éveiller la conscience de Zoé et ainsi rentrer en rébellion contre le régime autoritaire qui dirige le pays, soit au contraire vous pouvez faire des choix plus confortables en donnant raison au régime de Tairak et permettant ainsi à Zoé de profiter de sa jeunesse dorée. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé cette approche assez étrange. Généralement, les choix nous mettent face à des situations complexes, des dilemmes cornéliens. Bah là, en gros, la question c'est, êtes-vous pour ou contre la dictature? Êtes-vous pour ou contre un régime autoritaire qui exploite les pauvres, désinforme le public et pollue la planète? Ouais, niveau choix moraux, ça va pas bien loin. Surtout que si vous avez joué à Road 96, vous connaissez Zoé, la rebelle, en lutte contre le système. Alors naturellement, vous allez faire des choix qui vont la diriger vers ce chemin. Enfin là je vous rassure, je suis en train de parler du seul bémol que j'ai sur cette preview. Dans Road 96, on avait le choix de notre destin. Bon, en relançant plusieurs fois le jeu, on se rend compte que ce n'est qu'une illusion et que le jeu nous remet souvent sur les mêmes rails, mais l'illusion fonctionne et c'est bien là l'essentiel. Dans Miles Zero, le choix n'est qu'un gimmick et j'imagine que ça n'aura finalement qu'un seul intérêt, relancer le jeu une fois fini pour voir ce qui se passe si on décide d'être le bon petit soldat de Tairak. Mais c'est tout. Maintenant, je le répète, ce n'est qu'une preview, et c'est bien possible que plus tard dans l'aventure, on ait des choix plus complexes et difficiles à faire. Un mot aussi sur la structure du jeu, il n'est pas question ici de rencontres aléatoires comme dans Road 96, le jeu n'a d'ailleurs pas du tout la structure de roguelite de son aîné. C'est une aventure narrative, linéaire, entrecoupée de sessions de gameplay, et d'ailleurs, le gameplay, parlons-en. What's up, Milo?
jeu narratif, dit beaucoup de dialogues. C'est globalement vrai ici, mais finalement le gameplay mis en place a tendance à vouloir limiter les dialogues autant que possible pour mettre en avant d'autres arguments. Déjà, l'exploration. À chaque chapitre, vous allez arriver dans une nouvelle zone, qu'il s'agisse de la planque de Zoé et Kaito, d'un centre-ville, d'un parc, d'une zone résidentielle. Bref, on va passer du temps à explorer. Et à chaque fois, on tombe sur des zones assez vastes, dans lesquelles on va déjà passer un peu de temps pour trouver notre objectif. Et puis il faut vraiment prendre le temps d'être curieux. Chaque zone regorge de petits secrets et d'interactions avec les habitants, et je vous assure que la plupart du temps, c'est très très drôle. You will find pushing Colton to be life altering. More altitude. Au sein même des zones, on aura aussi pas mal d'énigmes et des mini-jeux. Par exemple, on va vouloir perturber un cours de yoga, et là, faudra trouver un code permettant d'entrer dans un local technique. Et une fois à l'intérieur, il y aura un mini-jeu pour dériver l'électricité afin de commettre notre méfait. Dans un autre exemple, on aura ici une distribution de journaux complètement délirante. Le jeu se transforme en une sorte de FPS déjanté où il faut balancer les journaux sur tout ce qui bouge. Ce n'est que quelques exemples, mais pour le début de l'aventure, c'est assez varié et globalement bien plus intéressant que les mini-jeux soporifiques de Road 96. Et puis surtout, on n'oublie pas sa parenté avec Lost in Harmony. À chaque chapitre, on retrouvera les balades musicales, et il s'agit de grosses séquences qui s'apparentent à un runner. On passe à la vue à la troisième personne, et le principal but sera d'éviter les obstacles pour atteindre l'arrivée. Là encore, pour une séquence de gameplay se trouvant dans un jeu narratif, c'est assez incroyable en termes de qualité et d'efforts engagés pour créer les différents environnements. Conscient de la force de leurs propositions, les développeurs vous proposent d'ailleurs régulièrement de refaire ces niveaux afin d'améliorer vos scores, car ouais, il y a toute une gestion de scoring assez motivante. Ces séquences donnent vraiment la pêche. La mise en scène est exceptionnelle et elles sont aussi l'occasion de mettre un point fort de ce jeu, c'est musique. Oui, c'est pas nouveau, les musiques dans les jeux DigixArt, c'est toujours un élément important. Et là encore, ça fait mouche. Les différents thèmes contribuent à l'ambiance générale du jeu. Une ambiance qui donne le sourire, remplie de bonnes ondes. Tout comme Road 96, on est à Patria, et donc l'univers est dur et on croise pas mal de gens qui souffrent. Mais cette dureté est habilement contrebalancée par les dialogues, les musiques, les différentes situations qu'on va croiser, et surtout par nos deux adolescents, Zoé et Kaito, qui sont vraiment très agréables à suivre. Le principal enseignement de cette preview, c'est qu'il ne faut surtout pas voir Mile Zero comme un spin-off de Road 96. Le travail abattu sur ce jeu est énorme, et je me demande si finalement Mile Zero n'est pas encore plus ambitieux que ne l'était Road 96. Sa principale réussite, c'est de donner une réponse efficace à la principale critique qu'on pouvait faire à Road 96, c'est-à-dire des phases de gameplay assez limitées, avec des mini-jeux globalement inintéressants et une exploration réduite au strict minimum. Là, sur l'aspect gameplay, je suis convaincu, l'exploration s'annonce intéressante et va servir intelligemment la narration. Et les phases de balade musicales sont juste parfaites, tellement sympas qu'on n'est pas loin d'un concept qui aurait pu donner naissance à un jeu complet. Ma seule crainte qui reste, c'est l'intérêt de l'histoire et la capacité du joueur à s'impliquer en faisant des choix. Bon, sur le premier point, je suis confiant. DigixArt sait écrire de bonnes histoires et ils ont encore et toujours ce don pour réussir à émouvoir le joueur avec peu de choses. Par contre, sur notre implication morale et les choix qu'on doit faire, jusque-là, j'ai rien vu de bien palpitant. Le sentiment global est malgré tout hyper positif et j'attends encore plus impatiemment le jeu complet. Après, bien entendu, avec ses multiples clins d'œil dissimulés tout au long de cette démo, j'ai envie de vous conseiller de faire ce jeu après avoir fait Road 96, voire même après Lost in Harmony pour profiter pleinement de ce jeu. Néanmoins, je vous rassure, les nouveaux venus ne seront pas largués. Allez, c'est fini pour la preview de Road 96 Mile Zero. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, jouez bien. Bye bye.